Beaucoup de personnes font marche arrière quand elles voient ce panneau. Chien méchant, n'entrez pas. Mais cet avertissement ne fait pas peur à Rudolf et Annette. Ils travaillent pour la mission globale et veulent rencontrer les habitants de cette maison. Nous sommes en Guyane et Rudolf et Annette font du porte-à-porte tous les jours. Quand ils sont arrivés dans cette communauté, ils ont proposé leurs services dans le cadre de consultations médicales gratuites. Des maladies comme le diabète ne sont pas rares dans cette région. Et quand la nouvelle de consultation gratuite s'est répandue, le nombre de demandes a considérablement augmenté. Rudolf et Annette sont donc très demandés pour effectuer des visites à domicile. Ces consultations à domicile leur permettent de passer du temps avec leurs patients, de leur parler de leur foi et de prier avec eux. Quand nous quittons nos patients, ils nous demandent « Allez-vous revenir ?» Bien sûr, cette ouverture nous permet des contacts plus approfondis. Dans une région proche, Az est aussi engagée dans la mission globale et est amenée à rencontrer des gens de différentes religions. Un drapeau à l'extérieur de la maison indique souvent la religion des habitants. Alors qu'il marche dans la chaleur avec sa Bible, il est convaincu que Dieu va lui ouvrir les portes et les cœurs. Je commence par faire un bilan de santé, un dépistage du diabète, de l'hypertension, et les gens veulent en savoir plus sur leur santé. Et cela me donne l'occasion de passer plus de temps avec eux et de nouer des relations d'amitié. Avec du temps et de la sympathie, Az s'est fait beaucoup d'amis parmi ses patients. Il leur rend visite souvent et il met en pratique tout ce qu'il leur enseigne dans le domaine de la santé. Chaque fois qu'il vient, il s'entretient avec les membres de la famille. Nous prions ensemble et j'apprécie l'attention qu'il nous porte. On sent en lui un homme de foi, très professionnel et consciencieux dans son travail. C'est un homme charmant. Quand les membres de la famille voient ce que vous faites, ils le disent aux autres, puis vous invitent à leur tour chez eux. Entrer chez les gens exige une prière persévérante, mais c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Dans ce secteur, il n'y avait aucune présence adventiste avant l'arrivée d'Az. Grâce à son action, de nombreuses personnes se sont converties et une église a pu être implantée. Malgré la difficulté de la tâche, Az continue à répandre la bonne nouvelle. Nous remercions ces pionniers de la mission globale grâce à qui plusieurs églises se sont formées dans cette difficile région de Guyane. Priez pour eux et pour les cœurs qui peuvent être touchés grâce à votre aide.